on débute la journée en sortant du gym. Je viens juste de terminer mon entraînement. Ouh, ça fait du bien, je me sens vraiment bien, on dirait. Pourquoi mes lumières sont allumées? Le soleil est tellement fort! Alors, il est 9h, je sors du gym. Ce matin, j'ai fait du cardio et des abdos. Puis je sens déjà que ça travaille, fait que c'est bon signe. J'ai un rendez-vous à 9h30 pour aller refaire mes ongles. Fait que en ce moment, il ressemble à ça. On avait fait un beau petit nude la dernière fois avec une espèce de shape d'amande. C'est comme ça qu'on appelle ça. La dernière fois, j'ai appelé ça ballerine. Puis c'est une de mes amies qui me fait mes ongles. Puis elle était comme, Caro, de quoi tu me parles? Voit clairement que c'est pas mon domaine puis que c'est pas le genre de choses que je fais d'habitude. On va refaire une petite couleur pour le temps des fêtes. Fait que j'hésitais l'autre fois, il y avait des full belles couleurs style vert. Mais je sais pas, là, on va voir. Elle m'a dit qu'elle avait aussi des nouvelles couleurs. Fait qu'on va voir ce qu'elle a me proposé. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mes bijoux. Fait que je vais mettre ça avant de faire quoi que ce soit. J'ai terminé mon entraînement aussi avec une petite séance de sauna. Fait que j'aime bien ça faire ça ces temps-ci. Je fais comme un 15-20 minutes de sauna à la fin de mon entraînement. Puis j'ai vraiment l'impression que ça me relaxe. Oh! Oh mon Dieu! Mon cerveau en plus la moitié de mes mains. Je vais le refaire tantôt. On est en train de faire fondre mes ongles. Je suis arrivée. Hi Kim. Mm-hmm. Hello. Puis là, on est en dilemme. Attends, je vais enlever mes petites. Ça, c'est vraiment une belle couleur. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi, ils sortent vraiment bizarre à la caméra. Ouais. C'est genre un vert foncé ou bien un genre de bourgogne. Classique bourgogne. Ouais. Mm-hmm. C'est juste parce que ce que je me dis, c'est ça, ça va plus avec tout un peu. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est sûr que c'est mais... équivalent. Mais ça, c'est quand même nice aussi. Ça tourne? Allez. Tu viens de te réveiller? Oh, avec sa petite oreille de croche! Oh! Chalut! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des amis? Non? Non. Non, ok. Deux petites secondes, je vais juste faire un petit appel. Salut! Ça va, toi? J'ai opté pour un beau petit rouge, finalement. On me l'a fait sur ongles naturels. J'aime vraiment ça. Je trouve ça plus naturel, hein? Ça va de soi. J'arrive au Costco et il y a du monde, mes amis. Mais c'est moins pire que je pensais. Fait qu'on va venir mettre un petit peu de gaz parce qu'on se rendra pas bien loin. J'ai plus de batterie, fait que je vais vous revoir à la maison. Mes petites commissions se sont bien passées. Je suis vraiment contente de mes ongles. J'aime vraiment la longueur. Il va vraiment falloir que je refasse mon self-tan aussi, mais j'aime vraiment la longueur. Je trouve que je suis comme plus capable de tout jouer, mais je m'ennuie du petit bruit. Ça le fait un petit peu quand même. Fait que c'est pas super. J'étais censée filmer une vidéo haul de tous les achats que j'ai fait durant le Black Friday. Par contre, il me manque encore comme le tiers de mes... Là, non, ok, j'exagère. Il me manque peut-être genre 3 commandes que j'ai commandées puis que j'ai pas encore reçues parce qu'il y a comme un méga délai au Poste Canada. Il y a des choses que j'ai commandées qui sont même pas encore expédiées. Puis j'ai majoritairement commandé des vêtements. Fait que, vous savez, je magasine dans des places où c'est quand même du fast fashion la plupart du temps. Même si c'est pas super bon, je suis au courant. Mais c'est ça. Fait que, il y a souvent les systèmes, ils partent de même. Fait que, je pense que l'autre fois, je regardais, puis la moitié des items que j'ai commandés ne sont plus en ligne. Fait que je voulais pas faire une vidéo où est-ce que vous étiez même pas capable de vous procurer les items que je vous présentais. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'à la place, j'allais vous le présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Fait que je ferai pas de try-on. Je vais vraiment juste montrer ce que j'ai. Tu sais, comme je monte à mes amis, ce que j'achète. Fait que j'ai commandé le cadeau de Noël en taux que j'ai fait livrer chez mon père, que je viens de recevoir aujourd'hui d'ailleurs. Fait que ça, ben vous le verrez dans le temps des fêtes.
Mais c'est ça. Pour ce qui est des vêtements, j'ai placé une commande au Urban Planet. Alors premièrement, j'ai pris des pantalons comme ceci, c'est comme des pantalons style jogging, mais le tissu est plus du tissu de travail, je vous dirais, le plus propre un peu. Fait que sont rose pâle comme ceci. Tous les items que je vous parle, là, si je suis capable de trouver les liens, s'il y en a encore, je vais vous le mettre en barre info. Mais je les trouve malades, sont super beaux, super confortables. Ces genres de choses, tu peux venir mettre vraiment casual ou si tu veux venir le mettre pour le travail avec des talons hauts, ça peut être vraiment beau. Pour aller avec ça ou avec d'autres choses, j'ai pris un bodysuit blanc comme ceci, avec un petit peu de dentelle en avant. J'en ai acheté un noir puis je l'aimais tellement que j'ai décidé de reprendre exactement le même en blanc. Fait que ça aussi, ça vient du Urban Planet. Les deux, je les ai pris en X-Small. J'ai pris juste un petit col roulé blanc comme ceci, ligné, parce que celui que j'ai, je l'aime vraiment beaucoup, mais il est quand même épais. J'en voulais un petit peu plus mince. Alors, le voici, le voilà. Au Ardennes, j'ai pris une petite laine comme ceci, qui est genre crop top, que je trouve malade. J'ai toujours voulu une laine avec cette espèce d'imprimé dessus. Fait que je me suis procuré ça. Et également une laine, mais avec un col roulé vert foncé. Je la trouvais vraiment belle. J'ai pas arrêté de la porter depuis que je l'ai. Au début, je voulais la mettre en robe, mais elle était un petit peu trop courte pour ça. J'ai passé une commande sur le site du Dynamite. Il manque un item, je vais aller chercher. J'avais cette jupe-là qui me faisait de l'œil depuis un fichu de bout. Fait que j'ai décidé de la prendre. C'est vraiment juste une jupe avec des petits picots blancs dessus. Vraiment loose, vraiment flowy. Fait que c'est parfait pour un voyage backpack parce que ça prend pas de place. J'ai pris après ça un t-shirt noir qui est écrit Anything But Basic. Je le trouvais malade. C'est le genre de choses que je viendrais porter avec des jeans qui montent taille haute. Et puis un veston par-dessus. Puis ça ferait comme le parfait équilibre. Et après ça, j'ai juste pris un petit bodysuit blanc comme ceci. Encore une fois pour le voyage. Vraiment, vraiment basic, là. Vraiment simple. Mais c'est le genre de pièce qui va avec tout. Fait que c'est parfait. La dernière chose que j'ai pris, que j'ai reçue, je parle. C'est un sac comme ceci de la compagnie Zoomake, que j'ai pris sur Amazon, dans le fond, qui est un sac repliable. Fait que je voulais ça pour le voyage, parce que dans le fond, ça va être mon carry-on, mais je me disais, si des fois, j'ai pas envie de traîner comme et mon gros backpack et mon carry-on, ben je vais juste pouvoir ça mettre condensé, et puis voilà, c'est génial. Fait que c'est super le fun, c'est super pratique. On met ça comme ça, et nous avons notre backpack. C'est quand même un gros backpack. Il peut contenir beaucoup. Il y a plusieurs pochettes. Fait que je trouve ça vraiment pratique. C'est le genre d'affaire qui peut doffer vraiment longtemps. Il y a des gants de chaque côté pour tenir les bouteilles d'eau. En arrière aussi, il y a des gants pour que ça tienne sur ton buste. Fait que ça compense. C'est pas trop lourd pour le dos non plus. Et c'est ça. T'as plein de petites pochettes. T'es même pas encore toutes regardées. Fait que t'as une moyenne pochette ici. Et une grande pochette dans laquelle t'as également un compartiment pour laptop. Bref, ça va être mon carry-on de voyage. C'est fou raide, là, nos préparatifs de voyage sont pas tant faits. Puis la semaine prochaine, c'est comme un peu notre dernière semaine pour pouvoir tout faire ça, changer de l'argent, parce que dans le temps des fêtes, il y a beaucoup de choses de fermer. Puis sinon, tu veux pas aller dans les magasins dans la période des fêtes là, pour faire des achats de dernière minute. Fait que après la semaine prochaine, là, c'est pas mal la fin, vu qu'on part juste en revenant des vacances. On s'en va en Thaïlande le 4 janvier. On part le 4. Le 3, je travaille. Je pense que le 2, j'ai des rendez-vous. Fait que puis le 1er, ben tout est fermé. Fait que go, go, go! Pour dîner, on fait cette soupe-là. C'est une soupe aux lentilles que mon père m'a donnée. Je pense qu'il a acheté au Costco. Il m'en a donné une coupe de canne. On l'a jamais encore mangé, mais je l'en avais mangé chez lui. Elle est vraiment bonne. Puis là, on avait un restant de soupe de minestron dans le frigo. Fait que j'ai juste comme acheté ça. Fait que ça va faire un bon petit mélange. Ça sent tellement bon! Petit monstre! T'es un petit monstre! Gros projet d'après-midi. On répare la tablette en auto. Vous vous souvenez qu'il a posé cette tablette-là? Eh bien, quelqu'un à quatre pattes a sauté dessus. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait en sorte qu'il y ait comme un méga gap. Et genre, de même. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. On va rajouter des boulons à ailettes. Je sais tellement pas c'est quoi. Et puis, on va mettre ça là-dessus. Fait que ça va être tout droit, tout beau, tout prof. Et pour ça, tu vas faire quoi? Mettre tes cordes avec tes belles photos. Anto, il vlog. Anto va commencer à vlogger. Bientôt. Bientôt, gang. On va enlever tout ce qui est dans le chemin.
Ça, je compte sur toi. Tu veux que je change de place? Non, ça va pas. Tiens. Changeons-le, là. Parce qu'il y a une fois dedans, il va genre juste squeezer. L'autre côté. Ouais. Ouais, clairement. Là! Qu'est-ce que tu fais? Bon, on va toutes les enligner, genre. Tout à côté, mettons, dans la fenêtre. Yo, mec! Bon, fait que je suis en train de travailler à mon bureau. On m'a fait des petites photos, mon Instagram, fait que je suis en train de retoucher ça. Je faisais le montage d'un vlog et puis je faisais des trucs pour le travail, fait que c'est une bonne chose. Ça a pas vraiment marché, les tablettes tantôt. Les vis étaient trop courtes, fait que t'es allée en acheter d'autres, mais c'est pas la bonne grandeur, fait que c'est un peu, ouais, c'est poche quand tu voulais absolument avoir ça aujourd'hui. Fait que je le laisse avec ses affaires, moi je fais ça. Voilà. Ça a fonctionné? Pas vraiment. Non? Non, ça tient pourquoi pas. Tadam! Fait qu'Anto a fini ses cordes! Hey, c'est tellement, tellement beau! Ça a fonctionné avec la tablette, il a tout replacé ses petites affaires. Fait qu'il a mis l'appareil photo à mes parents là. Ses petits cactus qu'il avait acheté au Gisque, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Les cactus viennent du Gisque. Ouais. Puis les cordes aussi. Fait que dans le fond, c'est des photos qu'il y a de ses amis photographes qui ont envoyé. Puis il y en a comme choisi trois qui fit vraiment bien dans les couleurs. Fait que si je ne m'abuse, celle de droite, c'est celle de Joe Gaudreau. Ouais. Celle du centre. Abigail Provo. Abigail Provo. Et celle de gauche. Adam Wolver. Wolver. J'aime vraiment elle. J'aime vraiment qu'on sent. Il y a beaucoup de teintes de rose. Moi, je trouve ça vraiment malade. Fait que j'aime vraiment celle de Joe Gaudreau. Celle de droite, mais j'aime vraiment elle de gauche aussi à cause des teintes. Toi, ta préf? J'aime bien. C'est la Joe Gaudreau. Ouais, celle-là. Ouais, je sais pas, ça fait différent. Fait que ça a finalement fonctionné, le projet en tôt. Fait que c'est vraiment beau. Ça donne vraiment de quoi de nice. Il y a un bout qui voulait faire ça, fait que je suis contente que ce soit fait pour lui. Là, moi, je vais me repréparer et je vais aller travailler bientôt. Fait que je pense que je vais terminer le vlog là-dessus tout de suite. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis, on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde.